Je suis Kim Yaroshevskaya et je me souviens de Fanfreluche. Elle lisait dans un livre, quand elle arrivait quelque chose qui pouvait être amélioré, que les sorts des personnages pouvaient être améliorés, elle dit « bon, je vais y aller ». Voilà ce que faisait Fanfreluche. Je dis « je vais être une poupée et je vais m'appeler Fanfreluche ». C'est me venu comme ça. C'est bizarre. Tout me vient comme ça, je pense. Et c'est ça qui est merveilleux. Le thème de Fanfreluche, je l'avais composé dans la douche. Il était une fois une reine. J'étais vraiment pénétrée de ce monde de Shakespeare avec les trahisons et les princesses et des costumes et des comédiens. J'ai apporté mon héritage. Il y avait mon amour du ballet, de l'opéra. Je me référais à l'enfant qui était en moi et qui est en nous tous. C'est pour ça que je trouve que les adultes me disent qu'il y avait quelque chose pour eux aussi.